Le prix du bénévolat de l'Art Morin rend hommage à des personnes, des municipalités, des organismes et des entreprises pour leur engagement exemplaire dans les domaines du loisir et du sport. Policier retraité, Michel de Champlain est le récipiendaire régional. Il sera récompensé le 17 novembre lors d'une soirée à l'Assemblée nationale. Bien, c'est sûr que quand on fait du bénévolat, bien, en tout cas dans mon cas, je ne faisais pas ça dans le but d'avoir un honneur, mais étant donné que ça est arrivé, ben on va le prendre. Là. Faites compte, c'est un peu une récompense de toutes ces années-là que j'ai faites un peu partout dans différents sports. Là. Actuellement, vous êtes impliqué, entre autres, dans la Véloroute des Bleuets. Depuis les 30 dernières années, vous avez toujours été impliqué dans la communauté. Qu'est-ce qui fait que le bénévolat est aussi important pour vous? Oh, mon Dieu, Seigneur! Je devais avoir ça dans moi, là. Ça fait longtemps. Écoute, même tout jeune, quand j'allais au patrou, j'étais moniteur. Donc, ça a commencé là. Et puis, non, c'est venu naturellement. Puis, j'aime ça, là. Regarde, c'est dans moi parce que... m'amener à toutes les demandes qu'on a, alors, ben, on ne peut pas toutes les prendre, mais disons que j'en accepte plusieurs. Michel de Champlain est un homme de cœur au service de sa communauté et ne compte pas ses heures investies pour contribuer au développement de son milieu. Il raconte brièvement son parcours. Ben, c'est sûr que quand j'arrivais ici en 1975, ma première place où j'ai fait du bénévolat, c'est au niveau du hockey mineur, parce que moi, je suis venu arbitre, donc j'étais responsable des arbitres. Ensuite de ça, bien, on a parti la lutte olympique avec les Jeux du Canada. Et par la suite, bien, il y a eu le club de lutte olympique qui s'est formé, puis quelques championnats. Et par la suite, bien, ma fille joue au badminton, au championnat provincial de badminton. Ensuite de ça, il y a eu au curling. J'ai été 7 ans sur le CA du curling. Et encore là, je suis sur le comité du tournoi senior provincial. Et depuis une quinzaine d'années aussi, service relance, ça, c'est sûr, c'est pas au niveau du sport, mais il reste un service d'insertion. Et puis, depuis l'an 2000, ben, je suis à la Véloroute des Bleuets. Le 17 novembre, c'est un événement important qui s'en vient parce que c'est à ce moment-là que vous allez recevoir une médaille à l'Assemblée nationale. Comment on se prépare et comment on voit ça, cette belle soirée-là? Et c'est sûr que quand va arriver le moment, ben, on est toujours rempli d'émotions ou quoi que ce soit. Tout comme quand j'ai eu mon prix le 11 octobre. Donc, tu penses qu'il n'y a rien, mais à un moment donné, quand ça arrive, l'événement, bien, avec tous les autres, bien, il y a un moment d'émotion assez élevé. Donc, mais je ne fais pas de préparation, à part de me mettre sur mon 36. Là. Depuis les 30 dernières années, Michel de Champlain a su mettre à profit ses compétences dans de nombreuses implications bénévoles. Il a laissé sa marque dans plusieurs organisations sportives de la région.